Bonjour à tous, vous êtes avec Jax et aujourd'hui on est sur une purge monumentale qu'est Tintin au Tibet. Voilà, alors je vais le faire le plaisir de me torturationner rien que pour vous. Et je mets en facile bien sûr, hein, parce que ce jeu pour moi est une vraie purge. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. Allez. On va essayer de jouer, bon, à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais eu le jeu... C'était un enfer. Il était très bien réalisé. Les deux premiers niveaux, ça allait, tchic-tchac, mais par la suite, ça a été une vraie catastrophe. Franchement, j'ai vraiment détesté ce jeu. Mais j'ai réussi à le finir. Hein. J'ai réussi à le finir parce qu'à l'époque, on n'avait pas 10 000 jeux par an. Moi, si j'avais un jeu tous les 3 ou 4 mois ou 5 mois, c'était beaucoup, quoi. Donc, ce qu'on faisait, tous les 4 mois, j'avais un jeu et mes potes avaient la même chose tous les 3 ou 4 mois et on s'échangeait les jeux et on allait l'un chez l'autre. Donc voilà, donc j'étais obligé de le finir quoi, j'avais pas d'autre truc à mettre sous la dent. Bon allez c'est parti mon kiki, donc ici c'est un flashback, hein. On va devoir sauver Chang, qui est en train de se noyer dans la rivière. Donc ici le train en fait est arrêté parce qu'ils ont fait exploser la voie ou je sais pas trop quoi. Donc vous voyez hein, le gameplay en fait on peut esquiver de deux façons, ou bien je peux sauter au dessus. Ou bien je peux revenir vers l'écran, qui est plus facile, voilà. Vous voyez, donc on a une sorte de zoom des zooms, qui est, ma foi, très très joli. Donc au niveau des graphismes, c'est pas le problème de Tintin. Graphiquement, il est beau. Donc voilà, il nous dit que le fleuve a été coupé, voilà. 3 heures de marche, ok. Donc, le jeu lui-même est beau. Franchement, il est pas moche. Mais c'est le problème, regardez, je vais courir, regardez, il s'arrête déjà pas directement. Déjà ça, c'est un gros problème pour être précis dans le gameplay. Plus, la suite, vous allez voir, c'est horrible. Et on peut se faire toucher par tout et n'importe quoi dans ce jeu. Franchement, c'est n'importe quoi. Par une vapeur, on peut mourir. Enfin, vous voyez. Attendez, je vais essayer de passer. Ah, voilà, je me suis fait toucher quand même. Sa mère là. Hein. Enfin, vous avez compris. Donc, n'importe quoi, en fait, est prétexte à se faire toucher dans ce jeu. N'importe quoi. N'importe quoi. Hop, voilà. On va... En fait, il faut prendre ce box pour pouvoir le mettre au milieu de rail pour pouvoir passer. Parce que sinon, on n'a pas assez d'élan pour pouvoir toucher... pour arriver à l'autre bout. Donc voilà, 1, 2, ok. Donc là, il y a une petite planche. Là, ça va être chaud. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Ah bah ça va. J'y suis arrivé du premier coup. Voilà. Donc Chang est en train de se noyer. Donc là, on a le droit de sauter. Donc au début, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est plutôt bien réalisé. Vous dites, oh, bah, ça va, le jeu est tranquille, nickel. Mais vous allez voir déjà le deuxième niveau qui est une purge monumentale. Le deuxième niveau, c'est n'importe quoi. Franchement, à la place de directement passer au troisième niveau qui est encore assez ça va à Katmandou je pense que ça se passe, mais le deuxième niveau est la merde et par la suite dans les montagnes du Tibet ça va encore être bien pire quoi, vous allez voir c'est horrible. D'ailleurs je ne sais même pas si je vais réussir à le faire, à mon avis je dois réutiliser des codes. Si je n'y arrive pas j'utiliserai un code 2 pour vous montrer les autres niveaux pour que vous voyez vraiment la purge que c'est quoi. Voilà, notre ami Chang est sauvé. Voilà, donc Tintin, je me nomme Chang, voilà. Donc là, en fait, il racontait à Capitaine Haddock comment il avait rencontré Chang. Donc là, on doit se dépêcher parce que on a, vous voyez au-dessus, en fait, on a un temps limité. Donc à gauche, bien sûr, vous avez capté, c'est la vie en fait de Tintin qui se roule ou se déroule en parchemin. Donc quand il est complètement enroulé, ben on n'a plus de vie, bien sûr. Et on a un temps limité, hein, ce qui est assez aberrant, je trouve. Franchement, ils auraient dû laisser le jeu sans temps, parce qu'avec le temps, c'est encore pire. La difficulté est encore corsée d'un niveau encore plus. Hop, ça aussi, je trouve ça aberrant, c'est con, quoi. Ah oui, il faut descendre ici, je pense. Ouais, c'est ça, pour recevoir en fait la lettre. Hop. Il y a le chien qui va venir, voilà. Ça le kleps. Il faut sauter au-dessus du chien parce que on touche un bête chien, on se fait tuer aussi, hein, donc. Voilà. Une lettre est arrivée pour vous, je l'ai confiée au capitaine, voilà. Donc le capitaine est juste au-dessus. Et après, il va falloir faire un détour ou un retour, je sais plus trop quoi. Enfin, un truc qui n'a ni queue ni tête, quoi. Comme il remonte, c'est excellent. Ting, ting, ting. Donc voilà notre capitaine.
Tintin. J'ai une lettre dont compte 1000 sabords pour vous. Oh, 1000 sabords. Merci, capitaine. C'est Chang, quelle coïncidence. 1000 sabords, évidemment. Et que veut-il, votre Chang? Chang, capitaine. Il m'annonce son arrivée. Après une escale à Kathmandu. Chang, magnifique, il arrive. Oh, mon copain, mon copain. Donc voilà. On a une arrivée de Chang, mais malheureusement, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, ceux qui ont lu la BD ou qui ont vu le dessin animé, bah, Chang va jamais arriver. À Kathmandu, il va s'écraser. Et voilà. Et merde. Bon, est-ce qu'on sait sauter? Ah, bah non, on sait même pas sauter au-dessus de cette vieille folle. Bon, là, je me fais toucher encore une fois, je suis mort. Hein. Putain, là, je sais que le chien va sortir. Ah, pardon. Oui, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et encore, c'est pas le pire hein, dans ce jeu. C'est pas le pire. Hein. Donc là, je dois tout recommencer. Je dois aller chercher la lettre. Pff, vraiment n'importe quoi, quoi. En fait, le jeu n'est même pas amusant. C'est ça le pire. Quoi. Le jeu n'est pas amusant. C'est aberrant hein, pour un jeu de plateforme qui est censé amuser les gosses. Il n'est pas amusant, ce jeu. Il est plus frustrant qu'autre chose. Et encore là, je suis calme. Hein. Pour l'instant, je suis calme. Mais je sens que je vais pas tarder à m'énerver. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas ma façon de jouer qui a c'est la difficulté de ce jeu qui est aberrante et tout est aberrant de ce jeu. Et se faire toucher par une vieille valise, par un chien à la con. Hop, voilà, je le passe. Boing. Une lettre est arrivée pour vous, nanani, ok. Voilà. Il y a d'autres clebs qui vont nous casser la tête, s'il te plaît. Ah, allez, voilà. J'ai même pas touché le chien que je me fais toucher, quoi. Pouah, quelle horreur, quoi. Allez, ouais, ok, hop. C'est parti, mon kiki. On va passer par au-dessus, hein, Laurent. Ça, c'est quand même une idée de gameplay ridicule, quoi. Franchement, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, ce niveau, ils auraient dû le supprimer. Ils auraient dû faire autre chose. Non, ce niveau, pour moi, il a pas sa place dans ce jeu. Enfin, de toute façon, rien n'a sa place dans ce jeu. Je sais pas. Non, ce niveau, c'est en fait, c'est du remplissage. Voilà, tout à fait. C'est du remplissage. Parce que, à mon avis, s'ils avaient suivi la BD, il n'y aurait pas eu assez de péripéties pour en faire un jeu de plateforme. Donc, ils ont dû trouver... L'idée en elle-même de faire un jeu Tintin au Tibet, c'était cool, hein. Mais c'est mal conçu, quoi. C'est mal réalisé. Bang! C'était en bas. Donc je dois descendre l'escalier. Et j'aurai pas assez de temps, vous pariez? Hop, voilà, je m'abaisse. Hop, ok. J'aime bien comme ils sont, etc. Bon, là, normalement, il y a une femme de ménage. Ouais, voilà. Ok. Ah, putain, on se fait toucher à chaque fois. À chaque fois, on s'est touché. Il me reste que une ou deux fois de me faire toucher et je suis mort. Là, il n'y a pas moyen. Là, il n'y a pas moyen. Ah, si, il y a moyen. J'ai rien dit. Ok, le capitaine Tournesol. Le DC à destination de Kathmandu s'est écrasé au Népal. Les sauveteurs ont peu d'espoir de retrouver des survivants. Mais cet avion, c'est celui de Chang. Oh, pauvre Chang. Du champagne à cette heure-ci. J'ai besoin d'être seul un moment, je vais dans ma chambre. Ah, j'ai quand même réussi. Voilà. Plus tard. Tintin, une prémonition. Chang, Chang, il est vivant. Je pars au Népal. À mon avis, il a fumé trop d'opium et il a eu... Enfin bon. 3 jours plus tard, Tintin et Haddock arrivèrent à Kathmandu. Cherchons la boutique du parent de Chang. Ah ouais, je me souviens de ce niveau. À la mort moins de 2, on se fait toucher par n'importe quoi. La femme au vélo, les petits pots. Ah là là, putain, quelle horreur, quoi. Pardon monsieur, vous pourriez m'indiquer une boutique tenue par un chinois? Mon fils va vous y conduire, vous le trouverez un peu plus loin. Ah oui, le gamin qui va voir suivre, oh là là, quelle horreur.
Vous voyez, même la cloche qui est au-dessus, on peut se retoucher. La femme, on peut se retoucher par tout et n'importe quoi. Ah, merde. Bon, il y a une pomme là-bas, je vais me risquer d'aller la chercher. Je dis bien me risquer. Mais à mon avis, je vais crever, ça c'est clair et net. Ah, quoique... Ah ouais, on peut pas passer à cause du truc. Allez, allez, descend, descend. Voilà. Bon, ça va, j'ai eu un petit sursis. Allez, go. Voilà le gamin. Mais il va se barrer, vous allez voir, il va se barrer. Ah, vas-y me conduire. Tu connais une boutique de tenue par un chinois? Oui, oui, suis-moi. Génial, il faut pas prendre le ballon. Allez. Allez. C'est aberrant, c'est aberrant, c'est n'importe quoi. Bon, le gamin, il est où? Génial, il a disparu. Vous avez bien vu, il est parti à la gauche, hein. Bon, on va aller voir son... J'allais dire son connard de père, mais... Ah, il a disparu aussi, allez! Ah oui, il va falloir trouver... On a ramassé le ballon. Il va falloir trouver Milou maintenant. Voilà. Donc on a fait tout ça pour Zarmadin. Pour rien. Bon, on va devoir recommencer. Allez, c'est parti. Pff, il m'énerve déjà ce jeu. Allez, descend, descend, descend. Donc on est obligé de parler au père. Si on parle pas au père, qu'on va tout droit, ça ne sert à rien. Le gamin ne nous reconnaîtra même pas ou il sera même pas là en fait. Voilà. Ok. Voilà, ouf. Voilà, hop là. Ok. Pour l'instant, ça va. Hop, suis-moi. Mais ça ne sert à rien de suivre parce qu'il va trop vite. Donc on l'a perdu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avancer à droite et aller chercher Milou, si je me souviens bien. Hop. Merde, j'ai pris la pomme, ça sert à rien. Je crois qu'il va falloir remonter à un moment donné. Je ne sais plus. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va, j'ai l'air de maîtriser. Hein. Franchement, je suis même étonné de moi-même. Parce que d'habitude, je n'y arrive même pas. Comment j'ai pu à l'époque, quand j'étais gamin, à réussir ce jeu? Je me le demande moi-même. Putain, fais chier. Ah putain, je prends une pomme et je me fais toucher. Allez, c'est vraiment... C'est pas aberrant ça? Sérieusement. Je pense qu'il faut monter là, ici. Hop là. Ouais, est-ce qu'elle va me laisser monter cette vieille peau? Allez, hein. Allez, hein, putain, génial, quoi. J'avais oublié cette connerie. Et voilà, je fais comment pour l'esquiver, maintenant? Putain, n'importe quoi. Allez, 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 allez. Ok. La cloche, si on la touche, on est mort aussi. Ouf, j'ai réussi. Oh là là, c'était chaud. Hein. Dépêche-toi, l'orage arrive. Bon ben ça va, je suis pas si mauvais que ça encore, on va dire. La boutique du chinois est par là. Bon là, ça va être ultra chaud. Bon, il dit par là, et... c'est n'importe quoi ce jeu. Il va à gauche et ça à droite. Allez savoir pourquoi. Oh putain, je l'avais pas vu celle-là. Lui reste sous la pluie en attendant. Vous cherchez? Oui monsieur, je suis l'armée de Chang. Des amis de Chang, hélas il est mort.
dans un avion d'accident. Mais justement, je crois qu'il n'est pas mort. En fumant mon opium, j'ai eu des hallucinations de dingue et j'ai pris des champignons et je savais qu'il n'était pas mort. Je le sentais au plus profond de moi. Partir à sa recherche? Vous avez 1 million de rhum donné? Je risquerai pas ma vie pour un putain de Shintok. Oh, excusez-moi, ça c'est raciste. Ça c'est raciste, excusez-moi. Mais pourquoi pas Tarka? Tarkay, c'est le meilleur. Sherpa de la région, au bout de la rue. Allez, une feuille. Allez, bordel de... Oh putain, une biaise feuille, on se fait toucher. Allez, s'il te plaît. Allez, game over, voilà. Bon, ben, j'arrête parce que c'est une purge. Franchement, et encore là, c'est pas le plus difficile. Hein. Ça, c'est pas encore le plus difficile. Hein. Franchement, si vous avez envie de voir ce que c'est que Tintin, jouer à ce jeu, vous allez voir. C'est une purge monumentale. Et vous avez pas vu le pire. Hein. Donc, voilà. C'était Tintin. J'espère que vous avez aimé me voir torturationner à ce putain de jeu. Hein. Donc, voilà. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Faites comme vous voulez. Il n'y a aucun souci avec ça. Et si vous avez kiffé ce let's play, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, à la prochaine pour de nouveaux let's play. Salut.